buvons et nous nous levons. Voilà, maintenant on va changer un peu les... On va changer un peu les phrases de début. Bienvenue. Bienvenue. Il fait qu'il... Ok, il fait bientôt jour, on va pouvoir bouger. On va peut-être attendre qu'il fasse complètement jour, comme ça on finit le tour du... Ah, du secteur. Donc, la dernière fois nous étions partis en aventure, carte du monde. Donc nous étions au lac Mystère, nous sommes passés ma Muskeg Morne. Et nous sommes allés dans la voie ferrée détruite et nous avons élu domicile. Eh ben, je peux pas vous le montrer parce qu'on n'a pas on n'a pas dessiné la carte, évidemment. On n'a pas dessiné la carte. Mais tiens, on va peut-être le faire maintenant. Comme ça, ça nous fera passer du temps. Il fait jour. Enfin, il fait jour. Mais bon, il n'y a pas trop de lumière. Mais du coup, on va pouvoir dessiner, je crois. Oui. Si je dis pas de bêtises. Voilà, très bien. Donc nous sommes à l'abri de maintenance. Ouh, fait froid. Donc nous sommes à l'abri de maintenance. Nous sommes arrivés ici, honnêtement, sans problème. Honnêtement, il faut le dire, vraiment sans aucun problème. Ça s'est très bien passé. Ah oui, il y a la viande qu'on va déposer par terre. Ça s'est très bien passé du début jusqu'à arriver ici. Vraiment... Très bien. Vraiment content de ce côté-là, ça s'est extrêmement bien passé. Nous avons, je crois, tué un seul loup. Il y a Muskeg Morne qui était un peu compliqué, enfin c'était un peu dangereux. Mais honnêtement, c'est tout. Et après, ça se passe bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, donc on a élu domicile ici à l'abri. Donc il y a plusieurs endroits que je voudrais aller fouiller. On voit toujours pas trop, on va prendre le bois. Il y a plusieurs endroits que je voudrais aller fouiller. Alors on va tout prendre peut-être, on va mettre tout ça à l'extérieur, je crois. Ok, on va voir. Il y a plusieurs endroits que je voudrais aller fouiller autour de ce périmètre-là. Je crois que, si je me rappelle bien, il y a une sorte de grand manoir. Un peu à la Resident Evil. Non, je déconne, c'est pas aussi grand, mais... mais il y a un grand manoir que je voudrais aller voir. Et après, dans les collines aussi, il y a pas mal d'autres choses que je voudrais aller... visiter un tout petit peu. On prend ça, on met ça là. Pour le feu, on peut... On prend ça. Voilà. Ça, on va mettre ça là. La viande, on la laisse. On va poser celui-là. On a des allumettes en plus. On va mettre le livre là. Nous avons ça. On va pas le manger non plus. Donc notre but est d'aller chasser aujourd'hui. On va re-rentrer parce qu'il fait quand même bien froid. Donc notre but, c'est en premier chasser. Je crois. C'est vraiment en premier chasser. On a 1700 calories, mais après on est un peu limité en nourriture. Bon, alors on a pas mal de thé et tout ça, donc ça c'est bien, c'est 120 calories à chaque fois. Nous avons aussi... nous sommes à 41 kilos, il va falloir qu'on dépose des choses. Je vais déposer des choses à l'extérieur, je crois que c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Tac, très bien. Ça. Ne pas le manger, hein, c'est pas comestible. On va déposer la scie qui est haut niveau, enfin qui a le plus de pourcentage, comme ça on la garde de côté. Très bien, et là on est à 30. Ok, c'est bon, on rentre. C'est parfait. donc on a quelques massettes, on a de l'eau. Bon, l'eau ça va. L'eau on pourrait la déposer un peu, tiens, on pourrait en déposer un peu. L'eau ça va. On a quelques massettes, on a encore un morceau de viande. On commence un peu à faire jour, mais pas des masses. On a encore un morceau de viande, on a un peu de lapin qu'il faudrait cuire. Et bah c'est tout. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc on va avoir un petit problème de nourriture. Donc il faut qu'on aille chasser du cerf ou du lapin. Il y a beaucoup de loups autour, il va falloir aussi qu'on les tue. Honnêtement, il va falloir vraiment qu'on les tue. Hein. Faut pas trop... lésiner sur les moyens, donc on va aller chasser du loup aussi. On va prendre la viande. Oh. Il y a des... Alors ici, je me coupe un peu. Ici, il y a des endroits bizarres où le personnage a l'impression de tomber.
Je sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué ici, même quand je l'ai fait en stream et tout ça, il y a beaucoup d'endroits où t'as l'impression que le personnage tombe. C'est très étrange. Si ça le refait, j'essaie de le montrer. Enfin, de le notifier plutôt. C'est un peu étrange. Des fois, ça fait peur, parce qu'on a l'impression qu'on passe à travers le sol, en fait. Nous avons la forge, nous avons du charbon si jamais on veut faire un grand feu. Je commence à regarder les alentours, ça y est, comment ça peut faire. Un peu à faire chaud. Un peu à faire chaud. À faire le jour, pardon. Donc voilà, donc il faut absolument qu'on aille chasser, comme ça on aura. Ouh. Comme ça on aura de la nourriture en avance. Faut vraiment faire ça. Ok, très bien. On fouille là. Charbon, très bien. Donc on fouille ici et après on sort. Après on part. On part à l'aventure. C'est bien aussi. On a un baril enflammé à l'intérieur. Là, il n'y a rien. Tout va bien. Tissu. Il n'y a pas de boîte à gants. Non. Regardez s'il y a des hameçons. J'ai pas l'impression. Cet endroit est pas mal. Il y avait un truc devant la voiture. Non, c'est rien. Cet endroit est pas mal. Il y a des, on va dire des spawns, on peut appeler ça. J'aime pas trop parler comme ça parce que j'ai l'impression que ça dénature un peu le jeu de parler comme ça en disant oh là vous pouvez avoir des spawns de tel ou tel objet. Donc j'aime pas vraiment parler comme ça. Donc je préfère dire que vous avez des chances de trouver des objets rares, genre comme par exemple la scie. On vient de trouver la scie, qui est plutôt cool. Donc si jamais on veut faire un feu qui dure 7000 ans, bah on peut facilement le faire parce qu'il y a tellement de bois à scier. Bon, par contre, faut faire comme d'habitude, hein, faire attention au mal de l'enfermement parce que ça arrive vite. Mais bon, on peut toujours faire un feu, enfin scier à l'intérieur et faire un feu à l'extérieur. Et après, il y aura le lit et tout ça. Ouh. Et c'est tout protégé et tout ça, donc c'est vraiment... C'est un bon endroit, c'est un bon endroit. Comme j'ai dit... Ah, c'est un bon endroit... Quand vous avez de l'équipement. C'est vraiment un bon endroit quand vous êtes bien équipé. Ah, et la dernière fois, on avait trouvé un cache-oreille. Donc on l'a réparé depuis. Il est à 80%. Donc ça, c'est vraiment les objets... en survie, j'ai envie de dire que c'est peut-être l'objet, un des objets les plus rares. En intrus, c'est possiblement un des objets les plus rares que vous pouvez trouver, le cache-oreille. Honnêtement. Donc ça, c'est vraiment bien. Ok, ici, ça là. C'est très très bien. Il y a 41 kilos. On va boire. Ouais, très très bien. On va manger ça. Allez, c'est parti, on y va. Oh, regardez-moi, 2, 3. 3 là, il y en a un là aussi. Non, c'est bon. Un là. Donc va falloir se faire lui. Alors ça serait bien qu'il avance le plus possible. Ok, très bien. Très très bien. Très très bien. Très 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 bien. Alors on va pas s'en occuper pour le moment. On s'en fout, on veut aller là-bas. On va garder l'arc en main parce que... Alors je vais pas beaucoup parler, comme d'habitude. Hein, quand on est en exploration.
faire un peu attention. Non, on risque d'avoir un peu froid, donc on va essayer d'être rapide. Ok, donc on a le lac ici. Très bien. On a des loups sur le lac. Ça, c'est un peu embêtant. Je voudrais récupérer des massettes, en fait. Ah, il nous a flairé, déjà. On va être de ce côté, alors. Non, ça va. Il nous a déflairé. C'est bon. Il nous a déflairé, on risque rien. Oh, là-bas, il y a une carcasse de cerf, je crois. Non, tout va bien. C'est extrêmement silencieux, hein. Extrêmement silencieux. Oh, là, il y a des champignons. Voilà, on a une petite cabane ici. Je suis en train de me dire que on aurait dû peut-être prendre plus de bois. Il y a un truc là. Combien il fait? Bon, 13. Serre ici. Ok. Ok. D'accord, ça marche. Ça marche, j'ai compris. Okay, ça marche. J'ai compris. Donc il y a un ours. Donc on a un cerf là, il y a le loup qui est là-bas. Je voudrais bien récupérer la viande du cerf. Le loup va sûrement nous flairer, mais je peux aller voir cette cabane avant. Pourquoi il y a des... Attends, si y a... Ah, okay. Il y a sûrement un cadavre. S'il y a des plumes, il y a sûrement un cadavre. Okay, très bien. Bon, je crois qu'on va rentrer. Il y a un cerf là-bas aussi. Je viens de le voir. Okay, cool. Bon, on va rentrer. Parce que j'ai pas trop envie de perdre trop de vie non plus. Donc on a des cerfs de ce côté-là. Nous avons des cerfs là-bas, mais avec un ours. Un loup qui garde le lac. Et d'autres loups vers chez nous. Donc c'est compliqué. C'est légèrement compliqué. Ça va être légèrement embêtant. Je crois qu'il nous a lâché. Ce que je voudrais faire, ce serait de récupérer un... Ce serait de... On peut rentrer par là, c'est bien. Ce serait de récupérer un cerf, en fait. Ah, récupérer sa viande. Après, on revient ici et on la fait cuire, en fait. Du coup, ça serait vraiment pratique. Ça serait vraiment pratique. Donc, ouais, ce serait... Ouh, une corde, j'avais même pas vu qu'une corde. Et bien, vous voyez qu'ici, il y a quand même pas mal d'objets. Hein, mais des fois, je passe un peu à côté. Je passe un tout petit peu à côté.
Qui est très bien. Alors avant de sortir, parce que quand, quand on sort, il fait froid. Donc il faut qu'on dépose ça à l'extérieur. Il faudrait qu'on fasse un feu, peut-être. Parce qu'on a récupéré ça, donc on pourrait faire cuire. Déjà, ça pourrait nous aider. Et pendant qu'on fait le feu, on dépose le loup. Ah, s'il va faire froid là, on va pas pouvoir vraiment. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire, on fait cuire les tout ce qui est tisane. Donc du coup, ça nous fera bon des calories et à boire. Mais aussi, on fait une réserve d'eau déjà, et ça va aussi augmenter notre cuisine. Donc on fait cuire aussi le loup là qu'on a dépecé en même temps. Du coup, on augmentera. Et peut-être avec de la chance, on arrivera encore plus proche du niveau 5. Et du coup, ça va nous permettre de, après, de manger du loup. Une fois qu'on pourra manger du loup, honnêtement, on sera vraiment béni, quoi. Donc, j'ai envie de... Ouais, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire comme ça. En plus, on a du bois et tout. Ouais, on va faire ça. C'est parti. Parce que là, on a un temps de merde, de toute façon, on l'entend. Donc, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien de sortir. On pourrait se mettre là, on est à l'abri du vent. Et après on découpe la carcasse. Donc on va devoir faire un feu ici par contre. Je suis pas méga fan. Oh. Je suis pas méga fan de faire un feu aussi proche de la porte. Et on fait cuire le lapin aussi. Alors. Un feu. Je pense que c'est bien. Ce que je voudrais bien le mettre à côté de la carcasse en fait, pour la réchauffer. Donc là, on essaye de faire plein de choses en même temps, se protéger du feu, se protéger pardon, du vent, du froid, des loups à l'extérieur parce qu'ils peuvent pas rentrer, et faire un feu dégelant la carcasse et faire à boire, etc. Enfin, voilà. Hein, comme d'habitude, c'est le bordel. On essaye de faire tout en même temps. Ah, très bien. Là, je crois qu'on a un bon feu. Donc, on va faire ça. Ah, par contre, on n'a qu'un seul faitout. Merde, ah, j'avais oublié ça. Ah, on n'a pas de conserve. Ah, on pourrait ouvrir cette conserve, mais du coup, il faudrait la boire. Il faudrait la manger. Est-ce qu'il est en train de dégeler lui, ou il est trop loin? 16% de gel. Ah, il devrait le dégeler, regardez. Ah non. Mais quoi que. Peut-être. Je sais pas. Ah, il nous faudra un deuxième truc. Ah, je sais pas. Très bien, 20 minutes. Du coup, on fait comme ça. 5 minutes, très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, on va faire ça. C'est embêtant là, j'aurais bien voulu avoir deux choses pour faire des boissons et tout. Mais on n'en a pas. On va manger ça. Très bien. Ça, je vais le jeter aussi. Ça sert à rien. Trois minutes.
qu'on dépasse le loup. Faut qu'on fasse aussi. Ah, très bien, 8 minutes. Alors, on va voir le coup. Il est gelé ou pas? Ah, il est pas gelé. Ouais, c'est bon, ça marche, ça marche. Ouais. On fait un peu tout en même temps, c'est entre, on jongle en fait entre le feu, les aliments. C'est pas le plus simple, mais on se débrouille. On fait ce qu'on peut. Devoir faire de l'eau dans pas longtemps. Voilà, très bien. Non, c'est pas si mal, hein. Honnêtement, c'est pas si mal là, ce qu'on est en train de faire. Le truc, c'est que, bah ouais, c'est chiant, c'est le côté où on peut pas manger la viande pour le moment. Juste de pas pouvoir manger la viande. Faut qu'on fasse attention à nos calories aussi. Alors, on est à combien? Ok, ok, ok. Après, on a quand même pas mal de tisane. Je pense qu'on va pouvoir en faire pas mal ici. Je pense qu'on risque de trouver beaucoup de champignons et tout ça, donc on va faire après un... on va devoir se balader et récupérer plein de champignons. Je dirais peut-être qu'on devrait déposer des thés. Je suis en train de me dire, parce qu'on en a peut-être un tout petit peu trop sur nous. Ça y est, le temps s'est calmé. Voilà, la limite. Ça, il faudrait le détruire, ça. Genre, on fait ça. Deuxième même. Ah, ça c'est fait. Ça c'est fait aussi. On en a plus, hein. On n'a pas pris de baies, non, on a pris que des... Ok, ça marche. Le cuir... non. De l'eau. Ah, très bien. Donc on a ça, on a ça. On a encore 3 heures de feu, on a à boire, ça va. Très bien. On va encore... Alors le temps s'est amélioré, on pourra en profiter pour partir. Enfin, pour explorer. On va peut-être un peu explorer, mais pas des masses non plus. J'ai rien dit du tout, donc on va pas explorer. Apparemment, il y a quand même du vent. Ok, ça c'est bien. On va peut-être récupérer le boyau et la peau. Par contre, on récupère pas mal de bois aussi. Il a l'air pas l'air de faire très froid. Ouais, on va peut-être se balader. On va peut-être se balader. Je pense. Je crois que ce serait une bonne idée. Voilà, ça c'est bon.
Je crois qu'on va déposer tout ce qui est plumes aussi. Je suis pas trop sûr. Genre... Ok, comme ça. Très bien, qu'est-ce que je voudrais faire? Qu'est-ce que je voudrais faire? Boyaux? Est-ce que vraiment on en a besoin des boyaux? On va prendre un. C'est vraiment histoire de en fait. Bouillie dans 5 minutes, très bien. Bah voilà, ça se passe tranquillement. On a vu où on pouvait aller chasser, on a vu un peu ce qu'il y avait. Voilà, c'est bien. On avance petit à petit, il faut qu'on fasse de l'eau. C'est bête qu'on n'ait pas de faitout supplémentaire. C'est vrai, ça irait plus vite, mais bon, on a un faitout à 2 litres, donc c'est pas très... Hein, ça va, quoi. Okay, très bien. 19 minutes. Oh la vache, le fait de remonter comme ça. Bien. Je crois que... Attendez que je réfléchisse. On va faire ça. Notre niveau est là. Ah, il faut que maintenant qu'on aille récupérer à manger. J'ai pas trop envie de manger du loup. On a toujours les massettes. Hein, on a toujours les massettes. On va essayer de chasser le cerf qui était à droite. Ah, par contre, on a un feu qui est allumé, quoi. C'est un peu embêtant. On fait des allers-retours. On peut faire des allers-retours, en fait. Vu que le temps est bon. Ouais. Alors, le mieux, ce serait de trouver peut-être plusieurs lapins. J'en récupérerai plusieurs lapins. Comme ça, on les ramène. Il y a un cerf là, c'est bien. Je vais voir si, pourquoi il y a des corbeaux là. Je crois que c'est le cerf qu'on entend marcher. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de champignons, rien. On va prendre les petits bois qui sont devant. Faut faire attention parce que là, on a... Les loups peuvent nous sentir. Il y a toujours un loup, voire deux, hein, qui traîne hein, autour de ce camp-là. Hein. Donc, faire gaffe. Ah, ben voilà. On l'a vu, il est à l'extérieur. Pour l'instant, ça va. Voilà, très bien. Très très bien. Elle est un peu fatiguée. On a assez de nourriture pour la... On a assez de nourriture pour la nuit.
Il est parti au secours. Très très bien. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Est-ce qu'on rajoute du feu? Ah, il est là, il est là. Ce serait bien qu'on puisse l'avoir lui aussi. Ce serait vraiment bien. Ok, il y en a un derrière et un devant en fait. J'ai l'impression. J'ai cassé la flèche. C'est pas grave. On a des fûts. Oui, dans 29 minutes. Près dans 2 minutes. Par contre, je voudrais savoir où est l'autre. C'est pas lui, hein. Je crois bien qu'on a... J'ai cru qu'on en voir un derrière. J'entends rien du tout. Ok, on va continuer à... Il y a 500 calories de plus. Je crois qu'on va continuer à cuisiner. À récupérer la viande de l'autre. Je fais des pauses hein, quand je parle, c'est pour éviter de me faire surprendre en fait. Hein. Alors je dirais que si on reste comme ça, j'espère qu'on va pas se faire attaquer en fait. Là on est exposé par contre. Là en théorie on est exposé. Alors, on va faire de l'eau. Si je dis pas de bêtises. Donc ça peut être dangereux. 33 minutes. Attendez. Ok. J'avais bien dit, hein. Il est sorti? Il est sorti de l'enclos ou pas? Ok, il est sorti. Ok, très bien, très bien. On va en profiter. Il fait pas froid. Hein. Il fait vraiment pas froid. C'est vraiment bête. Mais bon, on est un peu obligé de faire ça. Et puis comme j'ai dit, ça augmentera notre cuisine. Honnêtement, si vraiment on arrive à passer la 5... Tout ça on pourra le manger, ça qui est bien, ça qui est vraiment vraiment bien. Ok, pour l'instant on risque rien. On en profite. Parce que toute cette viande, on va pouvoir la manger un jour ou l'autre. Donc, rien n'est perdu. Très bien, l'eau on va peut-être la déposer parce que c'est vrai qu'on en a... Hop. Ah, ça nous fait un beau camp, ça nous fait un camp plutôt sympa. Après, je voudrais bien tenter le coup de manger de la viande, hein, de loup, hein, mais hein, on sait ce qui s'est passé la dernière fois, donc j'ai pas vraiment trop envie. Il reste une heure.
On va peut-être rajouter un peu de feu. Ah, très bien. J'ai l'impression qu'il va faire une aurore boréale. Là, on a plein de thé. On peut même dormir ici, hein, évidemment. On peut dormir ici. Sauf que le problème, bah, le mieux, ce serait de faire un feu genre ici. Genre juste à côté, comme ça on peut dormir sans problème quand il y a le feu qui est allumé. Alors ça, quand on aura cuisine niveau 5, normalement le foyer cabossé, là, on pourra le manger aussi sans problème. Donc du coup, on aura une conserve. Bouille dans 18 minutes, très bien. Je vais voir si on peut pas récupérer la peau. C'est 20 minutes. Je suis pas trop sûr que ça vaille le coup de tenter. Calories, on est à 1000. On a le vent qui se lève. On peut réparer ça. Ah, très bien. 2 heures. Ok, ça c'est bon. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Est-ce qu'on a des choses à réparer? On a les chaussettes peut-être à réparer, je dirais. Ça prend pas beaucoup de temps. ...40 minutes, ouais, vache, ok. Ça attendra. Attends, je voudrais bien me faire l'autre lot. On va peut-être aller voir si on peut pas récupérer des trucs. Alors, attends, 27 minutes, 20-30, ok, c'est bon. On va voir si on peut pas récupérer du bois ou des conneries. On va manger les massettes hein, pour garder le bonus. Ce soir, on va manger les massettes. Parce que je voudrais encore garder le bonus, si c'est possible. Oh, une batterie. Une batterie. J'aime bien les transporter comme ça, moi, les batteries. Comme ça, on peut juste directement la poser au sol. Si jamais on doit courir. Donc, ouais, je pense que c'est une bonne idée de faire ça. C'est comme si vous la portiez à la main, en fait. On a l'ours aussi qu'on va pouvoir chasser. Il y a tout ça qu'on peut casser. Là il y a des gros morceaux de bois aussi. On peut récupérer des... Ça met combien de temps avec la... Il y a ce côté-là ici, il y a une chute d'eau apparemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben... Ah oui, parce que le lac est là. Ah oui, on peut passer par là. D'accord, on peut passer par là. Il y a des massettes ou pas? Ah, du coup, je vais vous montrer l'intérieur du bâtiment après. Quand on va aller se coucher, on va rentrer, ça va tout être allumé et tout ça, ça va être sympa à regarder. On
va rentrer parce que j'ai pas trop envie de me balader avec juste là. On va repasser par le chemin. Par derrière. On va repasser par derrière. Pas très très confiant ici. Le problème, encore une fois, je suis pas super confiant, c'est parce qu'on peut pas trop manger. On n'a pas trop de ressources de côté en fait. Si on avait genre plein de... Comment dire, plein de nourriture et tout ça, il n'y a pas de problème si on se fait attaquer. Bon bah, on n'a qu'à dormir hein, et puis on est tranquille. Mais là, on est un peu limité quand même. On a beaucoup de viande de loup, oui, mais bon, hein, c'est pas la chose qu'on va manger. Pas maintenant en tout cas. Ok, 2 heures. Ah, très bien. Est-ce que on ferait. Non, pas grand chose à faire. Ah, on a les massettes. On va en manger pour dormir. Et après on a les tisanes qui vont rester. Et bah, il reste plus grand chose en fait. Honnêtement, il reste plus grand chose. Donc, ouais. Il va falloir chasser. Il va falloir vraiment chasser le cerf, en fait. Avoir une bonne réserve de cerf. De viande de cerf. Donc, on fera ça, je pense, demain. Les allumettes. Je voudrais déposer des allumettes. Tu me fais un peu chier à l'extérieur. Toi, tu me fais un peu chier en fait de tourner autour du camp. De mon camp. J'ai élu domicile maintenant. Ah, oh, il est là, ok. Ouais, lui, il faudrait vraiment se le faire. Lui, il commence à être embêtant. Ouais, lui, il est embêtant. Il est très embêtant de se balader comme ça autour. Très, très embêtant. Bon, mais bon, ça augmente petit à petit. Ouais, demain, il va falloir absolument prendre du cerf. 3 minutes. La nuit est avancée. On a encore 1h30 de 1h50 de feu. Ah ben, on va vous montrer à l'intérieur directement. Voilà. Alors, bienvenue en enfer. Faut surtout pas toucher ces câbles, donc ouais, on doit, si on passe là, bon là on se fait électrocuter genre 2 fois, c'est bien. Donc on va devoir passer par l'intérieur et éviter tous les câbles électriques. Parce que sinon ça va être une catastrophe. On va regarder s'il n'y a pas quelque chose à lire. Un ordinateur, on va voir si c'est possible. Je pense que c'est possible de trouver un ordinateur qui marche là. Il y a plein d'écrans. C'est la radio. Ah ah. Alors, monsieur Dennis, le tremblement de terre ne font qu'empirer. La direction a-t-elle décidé si on doit continuer à emprunter le chemin le plus court jusqu'à l'autoroute côtière? Même avec un viaduc stable, c'est déjà un trajet angoissant. D'autant plus que notre matériel est à la merci de la bande de hippies écolo qui court toujours dans les bois cette année. Je sais que ça demande plus de carburant. Attends, Oh, j'allais trop vite. Je sais que ça demande plus de carburant et de temps, mais si on faisait le grand détour, les gars et moi, on serait plus tranquilles. On tenait à ce que vous sachiez, Jerry. Cool. Cool, cool, cool. T
Ça c'est quoi? C'est un écran contre sur le mur? C'est high tech ici. C'est angoissant, c'est... ces câbles électriques. Là, il y a la lampe qui s'est allumée, c'est mignon. Attention à ce câble là, c'est à côté de cette porte. Alors là, on a cette eau là qui est prête. Là, on a 2 litres. On va déposer un peu d'eau. Déposer 2 litres. Très bien. Voilà. Donc 55 minutes et on a 1h20. Là ça fait quoi? Ça fait 2 fois 40 minutes je crois. Oh. Oh, il était juste là. Je crois qu'on peut aller dormir. Je crois qu'on peut aller dormir maintenant. Ça on laisse, ça il reste 1h20 donc ça ça va cuire dans 50 minutes. Et ça brûlera pas parce qu'il y aura pas assez de temps. Et la neige. La neige, je crois qu'elle va peut-être pas avoir le temps de bouillir. Mais on va laisser ça comme ça. Bon, on a qu'à rentrer. On a qu'à rentrer et dormir. Donc, comme j'ai dit, massette. Massette, massette. Massette, on dort le plus longtemps possible. Et on rentre. Et on dort le plus longtemps possible. Et demain, on fera. On chassera. On chassera le cerf. Je suis déjà content qu'on ait. Ah, j'avais ça aussi. Je suis déjà content qu'on ait tué 2 loups. Il ne reste plus qu'un qui rôde un peu autour, qui est un peu chiant. J'espère qu'on va pouvoir se le faire aussi. Ça n'inspire pas confiance. Après, si on peut toujours l'éviter, bon, ça va, c'est bien, mais... ouais, je suis pas très confiant, en fait, d'avoir ce loup qui tourne autour tout le temps. Voilà, très bien. Allez, on va dormir. Je dirais qu'une fois qu'on a beaucoup de cerfs de côté, beaucoup de viande, enfin, de choses qu'on peut manger sans problème... On va commencer à se balader. Mais avant ça, honnêtement, je dirais non. Avant d'avoir un surplus de nourriture ou avant de passer au niveau 5 cuisine, on va pas trop aller loin. Voilà, on va faire le tour du proprio vite fait. Hein. Mais sans plus. Vraiment sans plus. Ça fait pas beaucoup quand même. Ça fait chier hein, de taper dans les massettes, mais bon, j'ai vraiment envie de garder ce bonus pour le moment. Après, si c'est vraiment la galère, mais bon, on arrêtera, mais c'est vrai que là, j'ai vraiment envie de le garder, ce bonus, ça nous aide beaucoup. Mais bon, demain, on se concentre sur une chose, les cerfs. C'est vraiment récupérer nourriture de cerfs, c'est tout. Donc, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura vraiment aucun problème. Je regarde s'il n'y a pas des... Voilà. Des 115 là. On utilise les vieux thés en fait. Qu'on avait fait il y a très longtemps. Voilà, très bien. On boit. Et on dort. On dort au maximum et on sera bon. Comme ça on récupère notre vie aussi en plus. Et puis on est en territoire hostile, donc c'est quand même bien d'avoir de la vie supplémentaire. Enfin voilà, très bon épisode encore, un peu court, ça, il s'est pas passé grand chose, mais on a bien mis les bases en fait de notre base, donc ça va, je suis content. Voilà, à la prochaine, ciao ciao.